Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au titre de Chris Isaak, Wicked Games. Alors cette fois-ci, nous allons parler du solo. Donc solo a priori qui vous a bien plu. J'ai eu pas mal de commentaires vraiment sympas sur ma chaîne YouTube ou sur mon site, ce qui m'incite effectivement à le faire aujourd'hui. Et compte tenu que c'est un solo de ma création, ça me fait d'autant plus plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas aussi à télécharger la tablature sur mon site. Donc il y a 3 pages, donc pas mal de boulot en perspective comme vous allez le voir. Bien, bah écoutez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors c'est parti pour la première phrase, donc à la fin de la mesure 1. Alors je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que de toute façon vous avez la tablature, et je vais surtout vous parler des doigtés, les doigtés que je prends pour pouvoir un petit peu me faciliter le travail. Donc là je commence, je suis avec l'index sur la case 7, donc barré, d'accord, rameur en 9. Donc tout ça, index annulaire, là je décale à la case 6. Ensuite, je récupère la case 7 de la corde de ré, je la récupère avec le majeur et le petit doigt en 9. Donc ça, c'est la première partie de la phrase, je la fais doucement. Ok, ensuite, je me décale à nouveau, comme au départ. D'accord, encore une fois. Ensuite, je reviens sur la corde de la case 9. Ensuite, petit enchaînement de double croche. Là, je suis avec l'index. L'index sur la case 6. Un hammer avec le majeur sur la case 7. Et je reviens ensuite en 6. Pour ensuite slider de 7 à 5 sur la corde de la. D'accord. Ok. Case 4, case 7. Ensuite, je vais faire un slide avec l'index pour récupérer la case 6 sur la corde de ré. Je refais ça depuis le début. D'accord. Je remonte. Et je termine avec corde de sol case 9, corde de ré case 7 et 6. Donc je refais toute cette première phrase. Encore une fois. Ensuite, seconde phrase, donc qui commence à la fin de la mesure 4. Alors, donc à la fin de la mesure 4, comme je vous le disais, donc index, hammer en 12 sur la corde de si. Ensuite, je plaque l'index sur la corde, sur les cordes sol et si à la case 9. Ensuite, donc série de hammer. Je refais. Alors, attention toujours à la mise en place, hein. Quand j'arrive sur le 9 ici, je suis évidemment donc sur le premier temps de la mesure. Hammer encore. Là, c'est le même doigté que j'utilise entre la corde de sol, hammer en 11, et corde de ré, hammer en 11 également. Ensuite, je me décale avec l'index en 7. Case 9, corde sol. Case 6, corde de ré. Je refais cet enchaînement-là. Encore une fois. Ok. Ensuite, j'arrive à la mesure 6. Alors, j'aime bien, lorsque j'ai des bends comme ça, j'aime bien faire cette espèce d'effet de rack. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, pour faire ça, je bloque et au niveau de la paume, et avec l'index. Comme ça, du coup, je suis sûr que j'aurai aucune corde à vide qui viendra un petit peu me saloper le travail. Un bend d'un. Donc là, je suis sur le ton. Hein. Temps de, le premier temps de la mesure 6. Un bend d'un demi-ton. Je relâche le bend. Pull-off en 12. Je remonte à nouveau le bend, toujours un demi-ton. Encore un pull-off. Pull-off en 12. Pour arriver ensuite à la mesure 7, sur la case 14. D'accord. 14, ensuite. Alors, le genre de passage que j'aime beaucoup. Ouais, c'est là. Alors, il y a plusieurs solutions de doigté pour pouvoir faire ça. Je pense que un doigté qui est pas mal pour ce passage-là, ça va être de faire avec, je fais donc le slide de 7 à 9 sur la corde ré, donc là je rappelle, je suis sur la mesure 7. Je vais slider donc de 7 jusqu'à la case 9. Ensuite, avec le petit doigt, je récupère ma corde si à la case 10. Alors, tous ces plans-là, bon, évidemment, je fais ça avec un hybrid picking, donc moitié, alors la corde ré, je la prends avec le médiator, et la corde si, je la prends avec le majeur de la main droite.
d'accord, de façon à pouvoir jouer des notes distantes sur le manche, enfin des cordes distantes, pardon. Ok. Donc médiator, je vous rappelle, en fait tout ce qui va être sur la corde de si, je vais jouer ça avec le majeur de la main droite. Ok. Ensuite sur la, au début de la mesure 8, je vais venir réunir. Je slide ensuite, je suis en 9, je slide en 7. Donc là vous avez vu qu'au niveau doigté je suis avec le majeur annulaire. Je slide en 7. Et je terminerai 6 cordes de ré, 5 cordes de si. Ok, la phrase suivante. Donc là je suis avec une petite montée pentatonique. Hein. Vous verrez que de toute façon, une bonne partie de ce solo est fait avec la gamme pentatonique de si mineur. D'accord ? Donc 7, 9 hammer, 7, 9. Ensuite, un petit sweep. Alors, pour ce sweep, donc là, je suis à la mesure 10. À la fin de la mesure 10. Donc là, je suis sur le, avec le petit doigt en 11 sur la corde de ré. On va slider directement. En fait, tout ça, pour pouvoir sweeper ça, en fait, on va toujours avec le même mouvement descendant du médiator. On va vraiment glisser corde par corde. Le but du jeu, c'est on est sur le temps 1, 2, 3, 4. Donc on va avoir 4 doubles croches. On doit s'arranger rythmiquement pour au niveau mise en place pour tomber au début de la mesure 11 sur le 9 de la corde aiguë. Ok. Hammer en 10, j'arrive ensuite en 10 sur la corde de si. Ensuite, case 9, corde de sol, 10, index majeur, ensuite je fais index petit doigt. Donc je refais cet enchaînement là. Ok, donc là j'ai simplement slidé, là je suis sur la mesure 12. J'essaye de 10 à 12 sur la corde de si. J'arrive ensuite, je plaque l'index en 9 et je joue ma corde de sol ici. Ensuite, nouvel enchaînement en hybrid picking. Donc, je fais cet enchaînement là. Donc là, au niveau doigté, ce que je fais, donc majeur, j'utilise le majeur sur la corde de ré et l'annulaire sur la corde de si. D'accord ? Donc je viens à glisser de 7 à 5. Donc là j'ai les deux doigts dans la même case en fait. Hein. Je me décale ensuite, là je suis corde ré, case 4, corde de si, case 3. Donc la case 4 avec le majeur, l'index sur la corde de si. Ok. La dernière fois dans son clair maintenant qui démarre à la mesure 14. Encore une fois. Donc là on va venir. Je fais ça avec index majeur, donc index corde de ré majeur sur la corde de si. Je vais commencer par slider sur la corde de ré, donc case 1, case 2. Ensuite, je récupère sur le temps, donc mon majeur sur la case 2 de la corde de si. Ensuite, je descends chromatiquement, case 1, jusqu'à mêler toujours avec la corde ré ici ensemble. Je descends chromatiquement la case 2, case 1, jusqu'au corde à vide. Je récupère. Ma corde de mi aiguë avec l'index, enfin ma corde de mi aiguë à vide, donc toujours avec le majeur en hybride. Ensuite, on va venir slider jusqu'à la corde, donc sur la corde de sol jusqu'à la case 6, et on récupère case 5, corde de mi aiguë. Et on terminera avec un petit hammer, là je suis en 10, 12, et je reviens en 10. Donc je refais un petit peu donc, toute cette phrase là. On a terminé la partie en son clair, je vais changer de guitare pour la partie en son saturé. Alors voyons la partie en saturé maintenant. Donc là je suis à la fin de la mesure 15. Donc là je lance le bend, donc à la case 17. D'accord. Ensuite je fais toute une petite descente avec un hammer pull-off à chaque fois. D'accord. 14, 15, 12, 14, 10, 12, etc. 9, 10.
petite descente en croche. J'occupère à nouveau donc les doubles croches à la mesure 18. Alors ce genre de phrase qui est quand même assez rapide, attention à bien les articuler. D'accord ? Alors au niveau de la gamme en fait, toute cette petite descente, je suis en gamme de Fa dièse mineur. Ok. Donc la phrase après qui va être plutôt pentatonique. Je me décale quand même ici aussi, je sors un petit peu de la penta. Encore une fois. Donc là je fais tout ça avec index annulaire. Là je décale, lorsque je décale la cassie, donc toujours avec l'annulaire sur la console. Là, j'occupère le 9 avec le petit doigt. Toujours en 6, ensuite. Je me mets à nouveau avec l'index en 9 quand j'arrive sur la mesure 21. Cette phrase-là, vous voyez que c'est pour ça que j'ai mis des points au-dessus des notes. Toutes les notes vont être piquées. C'est-à-dire piquées, c'est-à-dire que il faut les interrompre un petit peu. C'est fait exprès. Je refais. Ok, mesure 22. Là, je suis sur le bend en 10. Pull off. Alors, évidemment, faites toujours les bends avec. Quand vous bendez avec l'annulaire, je vous le dis souvent, faites toujours le bend avec 3 doigts. Ça vous aidera aussi à donner un petit peu de vie à vos notes avec du vibrato main gauche. Je refais le bend. Je relâche le bend pull off en 7. Même chose. Ensuite, je vais venir slide en 15. Pour ensuite doubler. Donc ça, c'est le genre de sonorité que j'aime bien, que les guitaristes électriques utilisent énormément. Le fait d'avoir, par exemple, là je suis sur la case 15 de la corde si. Je vais bender donc de un ton avec l'annulaire et le majeur. Et on fait sonner également la corde mi aiguë à la case 12. Et on va venir du coup, ça fait cette espèce de doublage. Pour faire cet effet de don de si qui est vraiment très très sympa. Même chose. Donc là je suis en 15, même chose en 17. Et je reviens, d'accord. Et à partir de là, donc là, je monte le volume à fond pour la phrase rapide. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu donc ça. Donc là, je suis donc sur la mesure 26. Alors, c'est une petite ritournelle que vous allez faire en boucle. Il faut déjà choper ce coup-là. Alors, attention, toutes ces phrases rapides, en ce qui concerne la mise en place, il faut être vraiment très très précis. Donc c'est que de la double croche, donc sauf à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, là je suis avec. Alors je vous ai mis tous les coups de main à temps aussi, ça vous facilitera pour ne pas être aléatoire au niveau de la main droite. Donc 15, pull off en 12, et vous récupérez avec un coup de main à temps vers le bas, avec le 14 sur votre corde de sol. Puis donc. D'accord. Ensuite, petit doigt, je récupère le 17 avec un coup de main à temps vers le haut. À nouveau un pull-off qui, lui, va tomber sur le temps. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord. Temps. Le pull-off va tomber, le pull-off en 12 va tomber sur le temps. Je récupère à nouveau le 14. Ensuite, je vais avoir deux fois le pull-off de 15 à 12. Et c'est cette séquence-là que vous allez pouvoir tourner en boucle. Doucement. D'accord. Attention à attaquer tout ça, toujours de la même façon au niveau de la main droite. Ensuite alors, mesure 28. Donc toujours le petit doigt à la case 17. Donc pull off. Là, je profite en fait de l'unisson qu'on a entre la corde mi aiguë à la case 12 et la corde de si à la case 17.
Voyez, donc c'est fait exprès. Ensuite. Alors, petite boucle à faire tourner aussi si vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'écart et des pull-off. Alors, lorsque vous faites ça, surtout, soyez pas feignant, ne barrez pas avec l'index. Parce que vous allez, vous aurez de toute façon du mal à voir l'écart tout en ayant l'index barré ici. Et aussi, ça va inciter vos cordes à se mélanger. Il vaut mieux vraiment, il faut pas être feignant. Il vaut mieux vraiment décaler à chaque fois l'index, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves quand ils jouent pentatonique, et également le fait de pas être feignant au niveau d'index et de décaler comme ça de corde en corde. Ok? Je vous fais l'enchaînement de la mesure 28. D'accord? Donc lorsque j'arrive sur la case 15, donc avec la nulla, je vais ensuite slider en 14. Pull-off en 12. Je récupère toujours avec la nulla et casse 14 de la corde de sol. Ensuite, pull-off en 11. Donc attention, attention à bien vous décaler ici, de façon à avoir 14-12, 14-11. Ensuite, le 12, donc toujours à la fin de la mesure 28, je récupère avec le majeur, hammer 14, index en 11. D'accord. Je refais. Là, je suis arrivé en 11, donc de la première note de la mesure 29. Hammer en 12, hammer en 14. Je récupère le 11 corde de sol. Ensuite, 12 à nouveau. 12 corde de la. Voilà la séquence de fin de la mesure 29 maintenant. 12, pull-off en 10, pull-off en 9. 7, donc slider, ensuite hammer 9, hammer 10, et je finis sur la corde de ré, cassette. Et sur la mesure d'après, on va attaquer le 9 qu'on vient de slider vers le haut du manche. Je reprends donc toute cette séquence de la mesure 28 à la mesure 29. Encore une fois. On va essayer un petit peu. Ensuite, je baisse à nouveau le volume pour de façon à avoir un son un petit peu plus blues, un petit peu moins métal. D'accord, donc là je suis sur la mesure 31. Ok. Je slide jusqu'à la case 9. Quand j'aurai cassette avec l'index. Hammer en 9. Petit passage que j'aime bien. Alors, lorsque je fais ça, en fait, donc là, je suis sur la corde de si à la case 3. Je bend de 2 un ton. Pull-off à vide. Et tout de suite, je vais venir slider sur la corde sol de la case 2 à la case 4. Et je termine ça avec un petit bend de bluesy sur la corde de si. Ensuite, je reprends un petit passage en sixte, comme on a vu en son clair, mais cette fois-ci avec le son un petit peu crunch. Alors, là, je suis avec le majeur, donc je vais slider de la case 2 à la case 4 sur la corde de ré. Petit doigt sur la case 5 de la corde de si. Ok. Ensuite, donc, à la fin de la mesure, je joue mes cordes ensemble. J'arrive mesure 34. Avec 4 sur la corde de ré, 4 sur la corde de sol. Ensuite, le barré en 2. Barré de l'index. Ensuite, donc, un petit passage en triolet noir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jusqu'en cette corde là. À la fin de la mesure 36, c'est enchaînement mesure 37. Petit passage à nouveau bluesy. Donc là, je suis à nouveau donc, sur la gamme pentatonique de si mineur. Là, je vais slider avec l'annulaire de 9 à 11 sur la corde de sol. Donc là, pareil, pour le petit son un petit peu picking, je récupère à nouveau ma corde de si avec le majeur de la main droite. Ensuite, là, j'ai corde de sol avec, sur la case 11 avec l'annulaire, corde de si sur la case 10 avec le majeur. Je
barre avec l'index en 9. Je slide jusqu'en 7. Là, je repousse le volume pour ce petit passage pentatonique sympathique. Donc là, je fais un bend donc, d'un demi-ton. Je relâche le bend, pull-off. Enfin, tout est fait avec des hammer et des pull-off en fin de compte sur ce style de phrase rapide. D'accord. Pull-off, hammer, pull-off, hammer, pull-off. Et c'est la même chose que je répète en fin de compte. Encore une fois, doucement. Comme vous avez vu, en fait, il y a très très peu d'attaques. Je place uniquement une attaque de Ménator sur les notes qui vont être bendées. Et je termine. Donc avec un slide, je termine en 7. Je rebaisse un petit peu le volume pour avoir un son à nouveau bluesy. Là, donc là j'attaque sur la dernière phrase, donc avec le décrescendo de volume. Donc là je suis sur la dernière ligne, on mesure à 40. Donc à nouveau pentatonique de si mineur. Avec des petites harmoniques. D'accord. Index corde de sol case 7, annulaire. Corde de ré et sol case 9. Voilà mon petit solo. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de travailler donc ce solo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous lâcher au niveau commentaire si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu de façon à promouvoir la chaîne. Elle en a bien besoin. Bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Bah écoutez, comme d'habitude, bossez bien. Bye bye.